Good morning, allez, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Israq Befani, Armand Amram Ben Sulika et Shalom Ben Chviva. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yevamot, Perek Bet Mishnah Delet, Isur Mitzvah, Shniot, Vidire Sofrim, Isur Gdusha, Alman Ale Kohen Gadol, Rusha Vachalutza Ale Kohen Hediot, Mamzeret U Natin Ale Israël, Ubat Israël Le Natin U Mamzer. Une Mishnah qui est directement liée à la Mishnah précédente. C'est la suite tout simplement de la Mishnah précédente, je ne sais pas pourquoi ça a été coupé en deux, mais c'est pas grave. Concrètement, d'abord une petite introduction. Dans la Torah, il y a plusieurs de femmes. On est interdit de se marier avec plusieurs sortes de femmes. D'accord? Maintenant, il faut différencier entre ce qu'on appelle les Issour Kritout et les Issour Lav VAC. Je m'explique. Il y a certaines femmes où on l'interdit, ça provient d'un lien de parenté. Et donc celui qui a un rapport avec une femme pareille, il sourd carrette. C'est quelqu'un qui va aller avec sa sœur, avec sa mère, avec une femme mariée, avec tout ça, c'est chayvé kritout. D'accord? Pour tout ce groupe de femmes, alors il faut savoir, d'abord, elles ne sont pas mariables par toi. C'est-à-dire même si tu vas lui donner des kiddushin, tu vas vouloir la marier, ça ne deviendra pas ta femme. Et si toutefois il y a quelqu'un qui a eu un enfant avec elle, ce sera un mamzer, un bâtard. Le digne du mamzer, on en reparlera après, parce que ça va toucher à la suite de la Mishnah. Ça, c'est pour tous les cas de lien de parenté, les cas d'inceste de la Torah. Il y a par ça un autre groupe de femmes interdites à se marier, par des interdits de lave ou de assez. En l'occurrence, on évoquait le cas de la mamzerette, une femme qui est née par une liaison interdite, donc en l'occurrence. Ben, moi qui suis un juif kasher, j'ai pas le droit de me marier avec elle. C'est une mamzeret. Lo yavo mamzer likha l'Hashem. D'accord? J'ai pas le droit de me marier avec un mamzer. Maintenant, si toutefois je vais la marier, je vais lui donner des kiddushin, et ben ça deviendra ma femme. J'aurai pas le droit de rester avec elle. Mais c'est ma femme. Il y a des kiddushin. Vous avez compris? Il y a la même chose aussi avec Amoni ou Moavi, quelqu'un du peuple de Amon ou de Moav, un homme qui se convertit de Amon ou Moav, et il a pas le droit de se marier avec une femme d'Israël classique. Elle aura le droit de se marier avec une guillorette, oui, mais elle n'aura pas le droit de se marier avec une femme classique. Idem aussi avec les interdits des Kohanim. Un Kohanim n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Il n'a pas le droit de se marier avec une Halala. On évoquera tous ces cas de figure. Ils sont tous longuement et amplement détaillés dans la suite de la Maseret. D'accord? Pour le moment, je m'intéresse juste à définir c'est quoi un Chayvé Kritout. Ça, c'est dans la Mishnah précédente. Et à présent, des Chayvé Lavim ve Asin. Il y a à part ça, Asin, parce qu'il y en a certains que la Torah s'est exprimée sous forme de Asé. Par exemple, pour le Mitzri, un Égyptien, Goy, qui va se convertir, un Égyptien de l'époque, hein, c'est pas quelqu'un qui habite en Égypte aujourd'hui, c'est pas là, c'est aucun rapport. Un peuple de descendants des Égyptiens, la Torah nous a dit que c'est un interdit par AC. La Torah nous a dit que ta troisième génération, il pourra venir se marier il pourra entrer dans le peuple d'Israël. Donc pendant deux générations, il pourra se marier avec nous. Ok? Voilà pour l'introduction maintenant, à part ça. Pour les cas, les liens de parenté, alors il faut savoir, liens de parenté, il y a ce que la Torah a explicité, et pas au-delà. Par exemple, un homme n'a pas le droit de se marier, d'avoir des rapports avec sa fille, ni même avec sa petite fille. Mais son arrière-petite fille n'a plus d'interdit, selon la Torah. C'est-à-dire que s'il va avoir un rapport, d'accord, avec sa petite fille, et il va avoir un enfant avec elle, ça va être un mamzer. Ça va pas être un mamzer. Mieux que ça, s'il va lui donner des kiddushin, elle va être mariée. Mais malgré tout, Khamim sont venus et ont interdit les Issour Shniyot, de deuxième degré, qui sont faits des liens de parenté plus éloignés que la Torah l'interdit. Il y a toutes sortes de situations. Moi, j'ai le droit de me marier avec ma grand-mère maternelle. Mon grand-père, il n'a pas le droit de se marier avec ma sœur. Vous vous rendez compte la chose? Parce que mon grand-père, comme il s'est marié avec sa femme, alors il n'a pas le droit de se marier avec une femme et avec sa fille ou une femme avec sa petite-fille. En l'occurrence, mon grand-père n'a pas le droit de se marier avec ma sœur. Mais moi, j'ai le droit de me marier avec ma grand-mère, selon la Torah. J'ai pas le droit de me marier avec ma mère. Les Chachamim sont venus et on nous a dit, bon, on va calmer les esprits, sinon ça va partir en cacahuète, et il va y avoir plein de... On va facilement se tromper. Vous imaginez aussi les rapports, alors là, c'est des rapports très compliqués à gérer bien les cas de figure entre les tantes, entre les sœurs de mon père, les sœurs de ma mère, et les femmes des frères de mon père ou de ma mère. Là, ça change énormément. Et après, ça va changer chez eux. Est-ce que c'est le frère de mon père par son père ou par sa mère? Et le frère de ma mère par son père ou par sa mère? Et ça devient très complexe. Rami m'ont dit, tu sais quoi?
tout ce que tu appelles tata, chut, interdit. Même mieux que ça, génération supplémentaire, grande tata, interdite. Ça va être tout, ça va être les Issouré Chniot. Le Bar Tanoura, il fait le détail de toutes. J'en ai évoqué plusieurs déjà, alors en parlant comme ça. On va pas tous les faire pour ne pas trop alourdir. Mais donc tout ça, c'est des Issouré Chniot, des cas où il y a des, ça ressemble à des liens de parenté interdits parce que tu vas te retrouver avec une femme que tu vas appeler tata. Est-ce qu'on fait une différence entre c'est la tata paternelle, la tata maternelle, la tata parce que c'est la femme de la, du frère. Réellement, j'ai le droit de me marier avec la femme du frère de ma mère. Mais si jamais je me marie avec la femme du frère de mon père, Chayv écrit tout, je peux même pas marier ces enfants mamzerim. On va facilement se tromper, quelle différence. Ouais, donc on coupe tout, on se marie pas avec les tatas. Ok, c'est Issouré Chniot. Donc on a maintenant trois niveaux d'interdit. Issour Karet, Issour Lav VAC, je l'ai mis en même temps, et Issour Chniot qui est Midera Banane. Ça c'était la pré-introduction à l'introduction. Maintenant l'introduction, c'est la Mishnah, c'était la Mishnah précédente, tout simplement. Ou maintenant, on se retrouve avec, il y avait un frère qui s'était marié avec une femme, que pour lui, elle lui était permise, mais pour moi, elle devient interdite. Elle est interdite. Pourquoi? Alors, dans la mission précédente, on avait évoqué que c'était un cas, parce que c'était simplement un cas de lien de parenté interdit. En l'occurrence, ma fille. J'ai le droit de donner ma fille à mon frère. Si après son frère, il est décédé, et après, sa fille, ça devient Saïvama, ni boum, ni chalitza, elle sort libre. À présent, dans notre Mishnah, on va parler de si toutefois le frère il avait une femme qui était tout simplement interdite à moi. Mais en deuxième degré, ça peut être le cas par exemple, la kala de mon fils. Mon fils est déjà marié, il a eu un fils qui s'est marié avec une femme. Moi, j'ai pas le droit d'entretenir, d'avoir des rapports, même si c'est un divorce, j'ai pas le droit de marier avec la bru de mon fils. Ouais, kala de bno. Maintenant. Mon frère, il a le droit de se marier avec elle. Donc si toutefois, mon frère, il s'est marié avec elle, et qu'après son frère, il décède, donc maintenant, devant moi, j'ai une femme, un hiboum, qui est un interdit comme des rabanan, alors là, la Mishnah va me dire, bah, tu lui fais chalitza, mais pas hiboum. Mais chalitza, tu dois quand même lui faire, parce que selon la Torah, elle est apte à toi. Idem aussi, si toutefois, c'était une femme qui était interdite par Issour Lav, en l'occurrence une mamzeret. Imaginez qu'un homme kasher, il a malheureusement un frère mamzer. Ça peut arriver. Son père a entretenu un rapport avec la femme du voisin. Et puis, il a eu un garçon. Ces deux frères-là, hein, on en reparlera dans la prochaine. C'est des vrais frères de père. Et lorsque un se marie avec une femme, lorsqu'il décède sans enfant, son frère doit faire la mise à deux hiboum pour lui. Alors là, on se retrouve maintenant dans une situation que maintenant, il doit lui faire le hiboum. Mais non, son frère, c'est un mamzer. Logiquement, si c'est marié, il s'est marié avec une mamzerette, par exemple. Si c'est marié avec une mamzerette, lui, il avait le droit de le faire. Il y a des chatranimes spéciaux pour les mamzerim, phrase du shalom. D'accord, il a trouvé une mamzerette, il s'est marié avec elle. D'accord. Maintenant, il est 7 sans enfant. Le frère, il a plus le droit de se marier avec la mamzerette. Il a un interdit de lave. Il devrait quand même lui faire la khalitza. Vous avez compris le principe? Et bien, la Mishnah va nous parler exactement de ça. Je traduis directement. Issour mitzvah qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, parce que si vous vous rappelez dans la Mishnah précédente, on avait dit. Ouais, on avait évoqué les Issour Mitzvah et Issour Gdusha. Comme si il y a deux types d'interdits. Les interdits de Mitzvah et les interdits de Gdusha. Les interdits de Mitzvah, alors la Mishnah m'explique, quand je te dis Issour Mitzvah, c'est de quoi Mitzvah? C'est pour faire allusion à Mitzvah, l'Ishmoa Divrei Chachamim, les interdits qui sont mis des Rabbanan, les Issour Shniyot. C'est ce qu'on appelle les Shniyot Midivrei Sofrim. Les femmes de deuxième niveau de parenté, qui ne sont pas interdites par la Torah, mais qui sont interdites midi sovrim par Midrabanan. Entre parenthèses, c'est Shlomo HaMeler qui a instauré qu'on ne se marierait pas avec toutes ces femmes-là. Une des trois takanot qu'il a fait Shlomo HaMeler avec Netilat Yadayim et Eruvin. Issour Gdusha. Maintenant, les interdits de Gdusha, ça concerne en fait tous les interdits des Kohanim, qui ont des interdits de lave et de mitzvah, ça c'est qu'ils sont interdits par la Torah, mais qui ne sont plus des cas d'inceste, de parenté interdit, mais juste des femmes qui ne sont pas dignes de toi. Donc on a qualifié de Gdusha, parce que dans le passage de Kohanim, c'est dit Gdushim yo l'Elohim. On a comme par exemple Almana le Kohen Gadol. Un Kohen, il a le droit de se marier avec une veuve. Mais par contre, un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Imaginez maintenant que son frère, qui est un Kohen normal, il s'est marié avec une veuve. Il avait le droit. Mais lui, c'est le Kohen Gadol. Son frère décède, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc c'est Almana le Kohen Gadol. Ou encore Grusha Vachalutza le Kohen Idiot. Ou encore si c'est une femme Grusha, divorcée. Ou une Chalutza, une femme qui en a fait la Chalutza, qui s'est mariée à Kohen Idiot. Le frère, il n'avait pas le droit de se marier avec elle, mais il s'est quand même marié avec elle. Maintenant, il est décédé sans enfant.
Le frère Cohen Kacher, le religieux par rapport à l'autre, et il a maintenant une femme qui est de tombe qui n'est pas digne de lui, et ben quoi? Il a le même problème, il n'a pas le droit de lui faire le hiboum à cette femme, il devrait lui faire la khalitsa quand même. Ou idem encore, mamzeret ou netina le Israël. Une mamzeret c'est la bâtarde, elle est née d'une liaison interdite d'inceste. Ou netina c'est un peuple des Givonim, on en parlera plus longuement après parce que sinon ça va trop rallonger, je préfère raccourcir. C'est les Givonim, c'est un peuple qui a eu un problème, qui a trompé le Yehoshua, qu'on les a acceptés à posteriori, jusqu'à que David HaMelech est venu, il a fait un décret sur eux qu'on ne se marie pas avec eux. Ou bien encore, tout simplement l'inverse, ou Bat Israël les Natin et Mamzer, il avait un frère qui était Natin ou qui était Mamzer, et qui s'est marié avec une femme tout à fait normale, eh bien, il avait un frère, plutôt, un frère marié normalement, il avait un frère qui était Natin ou Mamzer. Dans tous ces cas de figure, voilà, la Mishnah nous a donné des exemples, elle nous rapporte maintenant à la Halakha, qui était rapportée dans la Mishnah présente, qui me disait que dans tous ces cas de figure, s'il a une femme pareille qui lui tombe devant lui, il devrait lui faire la Khalitsa, mais pas le Hiboum, mais Khalitsa devrait quand même le faire. Parce que la Torah, elle exclut que les cas de lien de parenté et qu'on n'est pas tout min khalitsa min haiboum. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.